Clem, coucou, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Aziza Beauty Family. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo routine. Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une petite routine matinale. Donc, vous allez me suivre tout au long de cette matinée. Donc, le jour du filmage, on était lundi matin, donc j'avais déjà déposé mes enfants à l'école. Entre-temps, je suis rentrée et je me suis attelée à tout de suite ranger ma cuisine parce qu'elle était sans dessus-dessous et comme la veille, j'avais travaillé, forcément, ce n'était pas rangé du tout. Du coup, mes horaires sont assez compliqués, je finis à 21h. Du coup, le temps que je rentre, je vais me doucher et dormir et je n'ai pas vraiment le temps de faire ma routine nettoyage du soir et du coup, je me rattrape le matin. Donc comme dit, c'est un peu compliqué quand on a des horaires comme j'ai actuellement. C'est surtout que j'ai pas des journées spécifiques où je dois travailler ou quoi. Ça change par planning, du coup faut vraiment s'organiser à ce niveau-là. Et faut savoir comment, quel jour nettoyer, à quel moment et voilà. Et forcément le dimanche soir mon mari est un peu dépassé, du coup il prépare les enfants, il les aide pour préparer leur sac, il y a les douches, etc. Du coup c'est pas évident, donc il laisse la vaisselle un peu traîner tous. Du coup je me rattrape moi ce matin là. Donc pour commencer, bien sûr je vide le lave-vaisselle et je le remplis à nouveau. Je remets en place aussi mon bol du Thermomix, donc il faut savoir qu'il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait le mettre au lave-vaisselle, il suffit juste de le démonter et il se lave très très bien, il n'y a aucun risque, vous pouvez y aller les yeux fermés, je le fais quasi tout le temps, je le mets quasi tous les jours au lave-vaisselle et ensuite je voulais de base nettoyer ma nappe de table, mais quand j'ai vu que les taches ne s'enlevaient pas et qu'il y avait beaucoup de déchirures, j'ai décidé de l'enlever et de la jeter. Malheureusement, avec le temps, ça s'use très vite ces nappes et j'en achèterai une. D'ailleurs, si vous avez vu mon haul action, j'en ai acheté une beaucoup plus jolie d'ailleurs et qui est plus facile aussi à nettoyer. La texture est différente de celle-ci. Donc vous voyez, je me suis fatiguée à nettoyer pour rien, ça arrive. Et j'utilise en ce moment le produit Sanitol, c'est le spécial cuisine, c'est un dégraissant. Déjà, il sent super bon et en plus de ça, il désinfecte. J'aime beaucoup les produits Sanitol du fait qu'ils désinfectent vraiment toute la maison. Mais en plus, le dégraissant est vraiment pas mal et j'aime beaucoup leur odeur. Et comme d'habitude, je nettoie ma place de cuisson avec mon éponge de chez Action, l'éponge en mélamine. Et j'utilise le produit Sanitol qui sent topissime et vous voyez qu'il dégraisse
Très très bien, il est pas mal, franchement, je vous le conseille. En ce moment, il est chez BM, il est vraiment pas cher du tout. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Et ils ont énormément de produits Sanitol, que ce soit pour le sol, pour les mains, pour désinfecter votre salle de bain, etc. Vous avez vraiment de tout. Ensuite, je vais nettoyer et faire briller tout ce qui est vitre avec un produit aussi que j'ai trouvé chez BM. C'est un produit anglais qui s'appelle Fabulosa. Il est au citron et au lilas. Il nettoie, il désinfecte et il fait briller. Il est aussi bien pour la cuisine, mais moi j'utilise vraiment pour faire briller tout ce qui est plaque, etc. Et réfrigérateur, oui, même mon Thermomix, j'utilise. Il sent super. Bon, je vous conseille d'aller voir vraiment en ce moment chez BM, il y a de très très bons produits ménagers. Une fois que tout est nettoyé, je vais aspirer avec mon robot Rock aspirateur H7 qui aspire mon sol au quotidien. Donc, il a une autonomie de 90 minutes en mode économique. En mode puissance forte, il peut aspirer jusqu'à une pièce. C'est vraiment impressionnant. Et surtout, il est très simple d'utilisation. Il est léger. Il prend très peu de place. Franchement, j'utilise tout le temps et aucun regret. Et il se vide et se nettoie très facilement. Je débarrasse et range un petit peu mon coin café aussi. Donc ce coin m'aide beaucoup, franchement, juste le fait d'avoir un peu plus de place dans la cuisine. Mais voilà. Et ensuite, j'utilise aussi pour mon réfrigérateur le produit Fabulosa. Il fait vraiment très bien briller et j'utilise un chiffon qui date un petit peu de Ilbèze. Donc il a un peu vieilli. Du coup, c'est pour ça que j'utilise un produit en plus. Mais vous pouvez le faire sans souci. Avec de l'eau simplement avec ce type de chiffon et ma cuisine est rangée et nettoyée et on va s'attaquer au salon tout simplement. Donc faut savoir que j'ai pas pris mon petit déj tout de suite parce que tout simplement en ce moment je me fais un régime, je fais un régime un jeûne intermittent on va dire. Donc j'ai des horaires spéciales pour commencer à manger et s'arrêter de manger. Donc j'ai décidé de le faire. Je me suis dit que ça irait plus avec mon rythme, etc. Peut-être que je vous en parlerai, mais j'attends d'avoir des résultats. Pour le moment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, rejoignez-moi sur Instagram. Je partage tous les jours les bons plans, mon quotidien, etc. Et si j'ai des questions et ce que je fais et mon ressenti de toute la journée. Donc vraiment, allez-y sur les stories. Pour celles qui me suivent déjà, allez me voir en story. Je suis toujours là. Et donc, j'ai eu beaucoup de retours du jeûne intermittent de positif. Et on revient à notre ménage, donc j'ai décidé de tout nettoyer, toutes les housses, etc. Parce qu'elles en avaient énormément besoin. Donc comme vous le savez, j'ai remis mon sèche-linge et mon lave-linge dans ma salle de bain. Et voilà, ça m'aide énormément. Je suis grâce à ça à jour de mes linges. Et ça, c'est quelque chose de très très rare. Donc je vais d'abord enlever mes linges séchés que je vais pouvoir plier plus tard. Et je vais mettre à sécher mes vêtements que j'ai mis à laver. Et je vais mettre à laver les accessoires de décoration, etc., de housse, de canapé, tout de suite, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et du coup, j'utilise l'assouplissant Lenor, surtout pour tout ce qui est literie et canapé. J'adore en mettre énormément parce que ça laisse une super odeur qui va rester assez longtemps dans votre pièce. Et je vais mettre du désinfectant aussi et on va le programmer dans 4 heures parce que je vais d'abord faire sécher mes linges. Donc je le mets en départ différé et ensuite je vais utiliser mon sèche-linge et l'utiliser tout de suite. Alors je ne les utilise pas en même temps parce que mon mari m'a dit qu'en fait ça risquait de faire sauter. J'ai pas trop compris. Il m'a dit que c'était compliqué
parce que déjà il a dû réparer des prises et tout, c'était assez complexe. Donc c'est pour ça que je mets en départ différé la machine à laver et j'avais pas vraiment le choix, sinon je les aurais mis en même temps. En attendant, je vais aspirer mes canapés en dessous des coussins d'assises. Il y a beaucoup de poussière qui s'accumule. Et du coup, il faut quasi tout le temps nettoyer. Je reçois beaucoup de demandes par rapport à ces canapés, s'ils étaient confortables. Ils sont vraiment bien. Pour ma part, ça fait quelques mois que je les ai. Je suis assez satisfaite. Le seul souci, c'est que ça se salit très très vite. Et quand on a des enfants, vous allez voir que mes housses sont dégueulasses. Je ne vais pas vous cacher ça. C'est la vérité, c'est dégueulasse. Et en fait, je veux m'acheter une nouvelle machine pour pouvoir les nettoyer. Et en attendant, je les laisse comme ça. Donc, vous voyez, on dirait qu'on jette des seaux de flaques d'eau, de pluie dans mon canapé. Alors que des fois, c'est juste le fait que ma petite, elle transpire énormément. Et quand elle fait des siestes, elle transpire et ça fait des traces comme ça. Ça m'avait choqué. Du coup, j'ai plein de traces. Je ne sais d'où ça sort, mais j'ai des taches énormes sur mon canapé. Donc, c'est impressionnant. On s'en rend pas compte. C'est juste quand on a été canapé comme ceci qu'on se rend compte que finalement ça se salit très très vite et c'est vrai que le clair c'est joli mais ça se salit vite après c'est mon choix d'avoir choisi cette colorie. Puis je sais pas si vous êtes rendu compte mais j'ai parlé énormément là depuis tout à l'heure mais voilà c'était pour parler un peu de ces canapés toutes les questions que je pouvais avoir sinon pour le confort il n'y a aucun souci pour la décoration aussi mais voilà il faut la machine qui va avec pour le nettoyage quasi une fois par semaine ou tous les 15 jours pour vraiment nettoyer désinfecter en profondeur et pour qu'il n'y ait plus de traces en attendant pour couvrir la misère oui je couvre la misère, je mets des plaids pour cacher tout ça et voilà en attendant d'avoir cette super machine. Et ensuite, on nettoie cette petite table basse que j'ai de chez Cdiscount, pardon. Elle est très jolie, mais elle est trop basse. Moi, j'adore quand les tables basses sont bien hauts. Et voilà, sinon, elle est très canon, hein. Franchement, si elle aurait été plus grande et plus haute, ça aurait été parfait. On va vaporiser tout ça avec du désodorisant ambiance et tissu de la marque Fabulosa. Pareil, elle vient de chez BM. Donc je tiens à dire, c'est pas une collaboration. Hein. C'est vraiment, j'étais partie au hasard et j'avais craqué sur tout ce que j'avais trouvé au niveau du rayon hygiène. Du coup, voilà, je voulais vraiment tester ces produits. Et voilà, une fois que c'est terminé, ma déco est faite. Enfin, voilà la déco. Pour dépanner, on va dire. Et je vais enfin prendre mon petit déjeuner. Donc c'est l'heure. On va prendre son petit déj tranquillement dans une maison propre et rangée. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Et le matin, je me prends un bon café avec du lait, bien sûr. Il faut que j'apprenne à prendre du lait végétal. Je vais tester ça bientôt et je vais me prendre deux pains de mie avec du beurre et de la confiture, un peu de jus d'orange. Et c'est tout.
Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est le moment le plus favori de ma journée et de mon quotidien. C'est vraiment le moment où je suis tranquille, je suis au calme, il n'y a pas d'enfant qui crie, il n'y a pas de mari pour vous poser des questions, il n'y a personne pour vous parler. J'adore prendre mon petit déjeuner au calme. C'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien. C'est la meilleure sensation que j'ai du matin et je me sens zen, apaisée, etc. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je pense que la plupart, nous sommes du même avis. Et j'en profite aussi du moment du petit déjeuner pour vous répondre et répondre à vos messages sur YouTube sur Instagram. Donc j'essaie quotidiennement de répondre tout le temps à vos questions. Et c'est pas évident, mais j'essaie de le faire quand je suis toute seule. Que j'ai fini, je vais sur mon PC et c'est le moment de travailler. Donc ça peut être le retour de mail que je reçois dû aux collaborations, aux demandes, à des questions, dû à mon travail Thermomix, etc. Ça peut être plein, plein, plein de choses et à mon travail aussi actuel. J'ai aussi des paperasses à faire des fois. Et ensuite, je vais aller sur Pinterest et je vais essayer de trouver mon menu de la semaine. Mais en fait, je ne vais pas copier un menu, en fait. Ce que je vais faire, je vais trouver par journée quelque chose qui pourrait m'intéresser et qui irait avec ce que j'ai l'habitude de faire. Et surtout ce que les enfants aiment. Et des fois, ça ne vient pas tout seul. Il faut vraiment que je lise des menus par-ci, par-là pour être sûr de trouver quelque chose. Et en même temps, je réponds à des copines, etc., des collègues sur WhatsApp ou sur Instagram. Je fais des petits audios, c'est toujours plus facile. Et voilà, et j'essaie de trouver mon petit menu. Je vais préparer la liste de courses en même temps parce que forcément, qui dit lundi dit journée de courses. Je vais en profiter pour aller faire les courses tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez me suivre tout simplement. Et je vais préparer pour éviter de gaspiller de l'argent et de dépenser pour rien. Donc faire un menu va me faciliter la vie, que ce soit pour les courses ou pour mon quotidien tout au long de la semaine, au lieu de me demander à chaque fois ce que je vais faire à manger. Alors les filles, pour le menu de la semaine, j'ai beaucoup de filles qui me disent qu'ils n'arrivent pas à suivre exactement tout le menu. Il n'y a pas de souci les filles, vous pouvez très bien ne pas suivre. Des fois, vous pouvez changer les journées de repas, etc. Sachez que c'est juste un support d'aide pour le quotidien quand vous ne savez pas quoi faire. Bon, après cette petite routine matinale, place aux courses et c'est la journée course du coup. J'en profite, d'habitude je le fais le vendredi pour bien être tranquille avant le week-end. Et là, comme je n'ai pas fait les courses, enfin on en a fait, mais c'était très rapide, je vais les faire cette fois-ci. Et comme d'hab, je vais en Allemagne. Mais avant ça, comme je veux m'organiser au niveau des préparatifs de repas pour la semaine, je vais chercher des petites choses chez Action dont j'ai besoin. J'espère qu'à cette heure-ci, il n'y a pas trop de monde. Et ensuite, go l'Allemagne pour faire mes petites courses de la semaine. C'est parti, mon kiki. Bon, les filles, on se retrouve du coup dans ma voiture. Et je suis arrivée en Allemagne pour faire mes courses. Donc, comme ça, je fais mes courses très rapidement. Il n'y a pas grand-chose à prendre. Et ensuite, on se retrouve du coup tout à l'heure. Mais je vous ferai un petit tour aussi en Allemagne. On a terminé la corvée des courses. Il manque plus que la corvée de ranger les courses. Ça ne s'arrête jamais, mais franchement, je vais me poser tout à l'heure quand je vais rentrer. Si j'ai le temps, il est 1h17, le temps que j'arrive, il est 1h40. Je vais me poser, je vais manger un petit truc, je vais me poser un petit peu, histoire de reprendre des forces. Et ensuite, je vais attaquer du coup la vidéo retour de course, Inch'Allah. Et
Et puis le meal prep que je compte faire. Franchement, j'ai pris beaucoup de produits frais, de légumes, etc. Je suis assez fière de moi. Et vous allez voir tout ça en fait dans la vidéo spécialement organisée pour ça. Je vous ai dit, cette rentrée m'a motivée, les vacances m'ont beaucoup aidée aussi parce que je me suis reposée un petit peu, même si je suis tombée malade entre temps. Mais je suis motivée plus que jamais pour vous créer du contenu sur ma chaîne YouTube et reprendre les bonnes habitudes que j'avais avant avec mes routines ménage, routines du quotidien, retour de course, etc. Voilà, vraiment je suis motivée. Allez, c'est l'heure de partir. Je vais mettre un peu de musique pour me motiver sur la route. Et je suis d'ex, ce qui me manque, c'est que j'ai pas de fil pour la batterie. Ah si, top, je suis contente. Si, du coup, je pourrais écouter ma musique sans avoir peur qu'il n'y a plus de batterie. Super, allez, sur ce les filles. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ma vie. J'ai ramené toutes mes courses avec cette chaleur. Je suis au bout de ma vie. Du coup, je vais me poser un petit peu. Il n'est pas encore 2h, vous voyez. J'ai le timing parfait. Et du coup, je vais me faire ça. Je vais me faire mon petit plateau de sushis avec une petite salade. Et je vais manger un peu devant la télé. Je vais regarder, tiens, Good Girl, ça fait longtemps. J'ai aussi droit à ce petit moment là. En plus ce petit kit il était à 5 euros. Vous avez les baguettes. C'est pour plusieurs personnes, je pense pas que je vais tout manger. Mais je vais me faire vraiment mon petit plaisir vu que c'est l'heure pour moi de manger. Je mange entre 2h et 3h. Donc voilà. Bon les filles, je me suis changée, je me suis mis en robe quand même parce que j'avais trop chaud. Et j'ai terminé, du coup j'ai récupéré les enfants, tout le monde est rentré, là il est 18h. Donc moi j'ai terminé, j'ai mangé un petit truc, un petit steak ou quoi. Et ça y est, c'est fini, je ne mange plus rien. Mais en attendant, j'ai pu vous filmer l'organisation, les préparations de mon frigo. Donc du coup tout est rangé, ça fait trop du bien. J'ai repris mes pichets, ça fait trop du bien de les revoir. Donc là je suis bien et on va préparer le repas et ce soir ça va être la lasagne. Donc je vais faire la sauce béchamel au Thermomix et la lasagne, je vais la sauce au kefta, je vais la faire à la poêle. Je vais faire deux plateaux parce que bon, moi et mon mari on a arrêté de manger. Je vais envoyer une partie à ma soeur et pour les enfants, comme ça ils ont aussi encore un peu de repas pour demain. Donc je vais essayer de faire une grande part. Voilà les filles, mon rythme de cette matinée et de cette fin de journée. Je vous ai mis quelques détails. Vraiment, c'était en plus, en option, mais c'était censé être une routine du matin. Mais la prochaine fois, je vous ferai vraiment la routine avec le soin du visage, etc. Quand je me prépare, quand j'emmène les enfants, etc., j'en ferai plusieurs différentes. Comme ça, vous aurez un peu un aperçu de ce que je fais. Parce que dans cette vidéo, j'ai rajouté aussi la préparation du repas, etc. Donc pour moi, j'essaye d'avoir un rythme en ce moment. J'essaie de me programmer des journées bien stables, de préparer des repas en avance. Ouh là là, je galère, hein. Bref, de préparer des repas en avance, d'avoir un bon rythme pour que les enfants surtout dorment tôt et puissent avoir des journées où ils sont en forme, où ils sont pas fatigués, etc. Donc vraiment, j'essaie vraiment de changer mon quotidien et que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde.
est presque prête. Maintenant, je vais faire la sauce béchamel. Celle-ci, je la fais toujours au Thermomix et je fais toujours la même recette. Maman. Parce qu'elle est vraiment très très bien. Je vous la recommande. Elle est nickel. Et du coup, comme dit, je vais doubler la portion. Recherche. Donc c'est la sauce béchamel express. Je fais toujours celle-ci, sachant qu'il y en a plein, mais moi je prends toujours celle-là. Voilà, simple et efficace. Vous voyez, tous les ingrédients, vous les mettez dans le bol et ensuite vous laissez chauffer à 90 degrés pendant 7 minutes, vitesse 4. Vraiment très très simple, il y a juste à rajouter les ingrédients tout simplement et à laisser faire le Thermomix. Voilà, la béchamel est terminée. Regardez comme elle est onctueuse. Elle est trop bien faite et l'odeur trop trop bien. Du coup, je pourrais remplir mes deux plats à l'encre. Ma sauce aussi est terminée, il n'y a plus qu'à disposer les feuilles de banane. Et voilà, je termine la vidéo avec ces images. Je prépare ma lasagne. J'aime bien mettre la sauce béchamel et un peu de sauce bolognaise en bas. Je trouve que ça évite de brûler. Des fois, on peut mettre du beurre, mais moi, je fais souvent comme ça. Et voilà, ça va se terminer là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aimé me suivre tout au long de cette matinée, tout au long de cette organisation. Comme dit, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Je sais que vous aimez beaucoup ce type de vidéo. Que ça vous inspire, que ça vous motive dans votre quotidien, que ça vous aide aussi à vous motiver pour vous organiser et être tout simplement avoir tout simplement un rythme, pardon. J'ai perdu mes mots. Voilà, voilà. En tout cas, vous me direz ce que vous en avez pensé comme d'habitude. J'attends vos retours en commentaire. J'attends vos likes qui font toujours plaisir. Et sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros gros bisous. Et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.